Jésus le ressuscité. Gloire, gloire, gloire à ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, nous sanctifions ton nom. Tu es le véritable, tu es le vivant, le tout-puissant, le prince de notre salut. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Le voir pour l'adorer, l'agneau est sous. Il m'a poussé à ma bouche. Le voici qui m'a
Jésus. Amen. Garde le silence. Number oui. Laisse-le te toucher. Dieu donne dialogue et bosse nous contrôler. Se révéler à toi. Dieu donne oui des dons qui aiment voir des visions en oui. Le Saint-Esprit va ouvrir tes oreilles pour entendre sa voix. Il va ouvrir tes yeux pour voir ce qui vient de lui. Nous sommes vivants. Il est le Dieu des vivants. Il est parmi nous. Sandaba Malabo Sandaye. There is no one like you. Arabaribiti, Arabiribata, Arubojo. Moïse a prié Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu s'est révélé à lui. La gloire de Dieu va te changer. L'apôtre Paul dit, nous qui le visage découvert. Libéré de tout voile. Nous contemplons sa gloire. Et nous sommes changés à la même image. De gloire en gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire. Ta présence glorieuse ce matin. Ta gloire qui libère, ta gloire qui change les vies. La Bible dit que Jésus a été ressuscité par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu communique la vie. Que la gloire de Dieu te soit manifestée ce matin. Que la gloire de Dieu touche ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Regarde en haut et applaudis très fort le Seigneur Jésus. S'il te plaît, fais le bien pour son honneur et pour sa gloire. Applaudis celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis à la droite de la majesté de Dieu. Tu peux faire mieux. Pousse des cris de joie. Des cris de triomphe. Des cris de célébration. Assois-toi dans sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons toujours continuer dans ce que nous avons commencé. Le jubilé plus. Alléluia. J'ai expliqué ce que nous entendons par le jubilé. C'est un événement, j'ai dit événement, institué par Dieu pour son peuple et qui se déroule chaque 50 ans. Nous avons expliqué le jubilé dans le contexte de l'ancienne alliance. Que ça se passe, le jubilé dans le contexte de l'ancienne alliance contient 7 années de sabbat. Et une année de sabbat, c'est 7 ans.
J'ai dit pour que nous puissions comprendre vraiment la pensée de Dieu. Dans ce thème, il faut que nous puissions expliquer ce que c'est que le sabbat. J'ai dit que le sabbat, simplement, banalement, ça veut dire repos. Jour de sabbat, ça veut dire jour de repos. Amen. Amen. Année de sabbat, ça veut dire année de sabbat. Banalement, nous avons lu un texte très très important que je te prie de ne jamais oublier. Ça détermine comment Dieu va te considérer. Ça détermine tes rapports avec lui. Nous allons reprendre ça avant de continuer. Exode 20, verset 8 à 11. Exode 20, verset 8 à 11. C'est des rappels importants. Nous aimons entendre de nouvelles choses, mais je tiens à faire pénétrer ces choses dans notre vie. Que Dieu nous accorde la grâce de les pratiquer. Amen. Amen. C'est la pratique et l'expérience qui vont changer notre vie. Vite, Exode 20. Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier. Répète avec moi Exode 20. Verset 8 à 11. Répète comme quelqu'un qui est vivant. Répète encore une fois. Répétons encore ensemble une fois. Verset 8 à 11. Ok. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Pendant les six jours. Mais le septième jour. Est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Est le jour de repos consacré à l'Éternel ton Dieu. À l'honneur de Dieu. Yes, Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi. Ni ton fils. Ni ton fils. Ni ta fille. Ni ton serviteur. Ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer. Et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Frère, Dieu a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Are you with me? Amen. Il a béni ce jour. Et sanctifier ici, ce n'est pas rendre pur. Sanctifier, c'est mettre à part. Alléluia. Amen. Nous devons mettre le jour de repos à part. Nous devons mettre ça à part et consacrer ça à Dieu. Amen. Amen. Nous ne devons consacrer ce jour à rien d'autre. À quoi que ce soit d'autre. C'est un jour à consacrer à Dieu. C'est fini? Alléluia. C'est fini jusqu'au verset 11. Alléluia. C'est un jour consacré à Dieu. Donc, nous avons dit que pour jouir de la bénédiction de ce jour, nous devons le sanctifier. J'ai expliqué également comment est-ce que le jour de repos est passé du samedi au
dimanche. Frère, l'alliance a changé. L'alliance a changé. Le jour de repos, c'est le jour où le Seigneur Jésus est ressuscité. Où les disciples ont commencé à se mettre ensemble, à se réunir. Alléluia. Amen. Donc ce jour est un jour à mettre à part. Si tu veux que Dieu te prenne au sérieux, sanctifie le jour de repos. Consacre ce jour à Dieu. Ne prends pas ce jour pour aller faire sport, pour venir à l'église en retard. Ne prends pas ce jour pour aller à la tontine. Ne prends pas ce jour pour aller honorer quelqu'un. Tout ce que nous devons mettre sur le jour de repos doit être après notre rencontre avec le Seigneur. Frère, là où je suis aujourd'hui là, même si Talon me donne un rendez-vous, si les sur les réseaux n'a qu'à entendre, s'il ne peut pas mettre après l'adoration, il n'a qu'à garder ça. Même le président des Nations Unies, le souffle qui est en lui là, c'est Dieu qui a mis ça là-bas. Le jour de repos, ce n'est pas pour dormir à la maison. Pour dire je ne me suis pas bien réveillé aujourd'hui. Et ce n'est pas quand on est bien portant qu'il faut aller à l'église. C'est à elle là-bas. Hein? Je viens, elle a reçu mon message. Elle dit, papa, vraiment, aujourd'hui, j'ai dit d'accord. Dieu va te guérir, Dieu va te fortifier. Mais je veux te dire que ce n'est pas quand on est en bonne santé qu'il faut aller à l'église. Non. Dieu ne permettra pas que tu trouves quelque chose qui va t'aliter au point où tu ne peux pas aller dans la maison. C'est une grande prière que je fais pour toi. Que tu ne trouves jamais ça. J'ai déjà fait 30 ans de foi. 92, 92 ans aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé. Je n'ai jamais trouvé quelque chose qui m'a fait coucher dimanche. Dans mon coin, je n'ai jamais vu. Frère, ce que tu crois, c'est comme ça face veut passer avec toi. Et Dieu n'a jamais permis aussi que je prenne une femme, je prenne un enfant pour aller m'asseoir dimanche à l'église. 30 ans, maman. Pourquoi j'ai mis ce jour à part pour le Seigneur? Et je vais te dire aujourd'hui un secret. Tout ce que tu dédies à Dieu, Satan perd son pouvoir sur ça. Et, écoutez, tout. Tout ce que tu prends est consacré à Dieu. Et met à part pour Dieu. Tu appelles le nom de Dieu dessus. Satan n'a plus de pouvoir sur ça. Ton temps, ton argent, tout ce qui est à toi. Que Dieu nous enseigne. Tu vois, il y a plan nous quand je lui ai dit ça, je ne me suis pas bien réveillé. Elle a changé d'avis en même temps. Rapidement, je l'ai vu à l'église. Elle dit, tu pouvais venir. C'est parce que tu écoutes ta chair. Qui te dit que tu n'es pas normal? Il y a ici qui fait quelque chose. Dans le logo, mais cligoto, ndebaï, suppose qu'un voisin connaisse un incendie chez lui. Voilà que je m'apprêtais à venir au culte. Dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire?
si c'est pour assister quelqu'un. Si la personne veut mourir. Oui, si la personne a besoin d'aide, qu'elle est en danger et que je peux l'aider. Écoute-moi, je vais assister, mais j'irai à l'église. Rien ne va me prendre ce moment-là. Non, viens là qui camion là, ni doit voir John. When you saw no boy at church, what down a gomenet or when me to Bessiaqua, can be away him, your boy do, who do, or Emini Gualoneto, Nemina by do to Ganeme, but Papa to be grown in do, Emina Gualonemo, and when I saw the church, you are disappointed. She went on me, I saw out of a phone. Nunde for the polepo, mini besses on Tame. Mon papa, Babache, et décédé en dimanche, ma soeur là. Babache, c'est bien à fond, ouais, coup. Si ce n'est pas elle, c'est ça. En tout cas, une grande soeur qui m'a appelé pour dire, ah Paul, papa, je dis, ok, gloire à Dieu. M'lahoche toflen, ni doye me ime, de toflen, l'obé na imlaho, de voye, yo mi bodo, ah, baba koum, baba mito koumon, bon de heyon. Je dis, soyez là. Bon de mito flen. Moi, je vais à l'église. Nyenjei chochi. Au retour, je vais venir. Ni le konawa. Point. On ne m'a pas envoyé en prison. On ne m'a pas envoyé en prison. Il m'a domi la gamme, il m'a zemi do gamme. Il n'est pas pourri là-bas. Moi, il m'a sonyon do don. Il y en a qui sont là, qui vont s'en occuper. Et nous, on ira dire pour Dieu, on va revenir. Mais là, ton flingue, on a fait nous quoi, Goba, Mila, Mina, il doit dire, il y a ton bolet, quoi, ouais. Frère, écoute, Doto, sais-tu le temps que tu vas prendre pour honorer Dieu? Ce n'est pas dimanche seul. Mais les autres jours de réunion. Tu prends ça pour aller faire pour toi. Quand le temps va arriver, et tu auras besoin de Dieu. Et dis-moi-même, je vais rire de vous. Je n'ai jamais manqué le culte. Si Dieu va noter ça, 20 sur 20, il va me faire plus. Donc frère, je veux que à partir d'aujourd'hui, tu quittes là. Quitte ce niveau de ta relation avec Dieu. Nous allons voir tout à l'heure. Quitte ce niveau de ta relation avec Dieu. Sanctifie le jour du Seigneur. C'est une bénédiction. Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu l'honores, en mettant à pas ce jour pour aller l'adorer, le remercier pour les grâces que tu as reçues dans la semaine, pour la vie qu'il t'a donnée dans la semaine, écoute-moi, Dieu va t'honorer également. Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est un rappel banal, mais important pour moi. Parce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui prenons le jour du Seigneur pour aller plaire à quelqu'un. Pour aller plaire à quelqu'un. Frère, demandez à maman. On a fait le mariage le samedi. Le dimanche matin, on s'habillait pour aller à l'église. Mon beau-père qui a investi dans mon mariage. Il est rentré à la maison. Je l'ai bien salué. Oh papa, tout. Et j'ai dit, ah papa, vous voyez, là. On est en train de s'apprêter pour aller à l'église. Sois pour nous accompagner. Ou si on revient, on va vous rendre visite. Mais on a prévu même pour rendre visite. Frère, point. Les gens vont te connaître comme ça. Ils ne vont plus mettre rendez-vous pour toi sur ce moment-là. Que les gens te connaissent comme ça. Va chez les musulmans. Moi j'ai vu ça au Nigeria. Quand ça sonne 13h, 14h là, tu peux amener milliards. Ah non, tu es bon. Moi j'ai vu ça, j'ai été témoin de ça. Tu vas attendre là avec ton milliard. C'est pourquoi Dieu les bénit. Parce qu'ils respectent leur rendez-vous avec leur Dieu. Plus que nous. Non, on va dire que je ne peux pas être gâté chez telle personne. Mais tu peux être gâté chez Dieu. Tu peux déplaire à Dieu, lui.
C'est important ce rappel que je vous dis. Si tu es enfant de Dieu, tu sauras que c'est la vérité et tu vas intégrer ça à ta vie. Tu sauras que l'Esprit de Dieu qui te parle. Rien. Personne ne va mourir. Non. Le feu a pris. Vous appelez ça pompier? Oh, vous les mien. Il y a une pendant de notre mien là. Dieu soit loué, il y a les sapeurs pompiers. Il gagne un Dieu sous la zone et les watts au tout l'homme. Ou bien, gloire à Dieu, ils ont un numéro. Il y a un salut comme moi, il y a un roi. Nous bénissons le Seigneur. Rappel important. Même si tu voyages, ne reste pas à la maison pour t'asseoir. Cherche une église à côté de toi là-bas. Va à l'église. Va à l'église. Va honorer le Seigneur. Même si tu voyages, il y a une église dans tes environs. C'est Matt. Oui. Ce que nous faisons, il y en a qui sont là maintenant, en ligne, qui sont en train de suivre. Oui. Ça, ce n'est pas qu'ils sont, ils sont en train d'adorer, ils sont dans l'adoration. Ça, c'est différent. D'accord? C'est différent. Il y en a maintenant qui sont réunis, juste en train de suivre ça là maintenant. Ce n'est pas qu'ils sont en train de dormir. Ce n'est pas qu'ils sont allés faire pour eux. Seulement, il ne faut pas être en train de suivre, être à la cuisine, de faire la vaisselle, autre chose. Ouais. Il y en a, hein. Il y en a. Il y en a. C'est ça. Et ils sont en train de regarder, c'est ça. Ils vont allumer ça. Et pour que tu saches qu'ils sont allumés. Et ils laissent ça comme ça, ils sont en train de faire pour eux. Tu ne trompes personne. Oui, même les émissions que je fais en lien avec la diaspora, ils sont là, ils m'écoutent. Et je, arrivé à un moment, j'ai remarqué ça que les enfants là. Et je leur ai dit, maintenant là, vous mettez tous vidéo. Quand tu es là, là, tu mets vidéo. Viens vidéo là, bon voir. Ah, malin. J'ai dit, je veux voir tout le monde. Mais les hommes, Bibi, quand ils sont à Zambi, Bibi, apôtre, j'ai dit oui, mettez vidéo. Et là, apôtre, on doit mettre ta vidéo, maman. Apôtre! Je veux voir tout le monde. Amen. Amen. Frère, nous avons commencé à parler des choses qui caractérisent le jubilé. Mais je veux dire, nous devons détendre le jubilé, le jubilé. Listen. Doto. C'est moi-même, je suis en train de vous prêcher. Mais je ne peux pas vous dire ce que ce message est en train de faire en moi-même. Le message du prédicateur est avant tout pour le prédicateur. Frère, aujourd'hui, ce qui a martelé mon esprit, frère, ce que Dieu dit, est déjà comme ça. Nous avons parlé l'annonce, la proclamation. Quand l'annonce est faite, il n'y a plus rien. Frère, aujourd'hui, je n'avais pas dit ça, mais c'est aujourd'hui que j'ai compris ça par l'Esprit de Dieu. Frère, ce que Dieu dit comme ça est déjà comme ça. Si Dieu dit que tu es libre, c'est comme ça. Et je veux que ta foi soit comme ça désormais. Il y a deux choses qui peuvent empêcher ce que Dieu dit de se passer comme ça. Nous-mêmes,
Quand nous parlons par exemple de la liberté, quand Dieu dit dans l'année de grâce, c'est une année de liberté. Vous allez proclamer la liberté pour tous les enfants du peuple. La chose est comme ça. Aucun maître ne peut retenir encore les gens qui sont sous son pouvoir, les gens sur qui il dominait. Il n'y a pas. Mais l'esclave lui-même, celui qui est en otage lui-même, peut dire non, je ne veux pas être libéré. Donc la seule chose qui peut empêcher ce que Dieu dit de se passer comme ça, c'est vous-même. C'est nous-mêmes. Dieu peut proclamer la liberté. Mais toi-même là, tu aimes ton patron. Ce qui domine sur toi là, tu aimes ça. Que je vous détaille ça. Il y en a tellement, hein. Dieu nous a déjà libérés. C'est pour la liberté que Jésus vous a libérés. Grâce à verset 1. Vous-même là, ne vous placez pas de nouveau. Deuxième chose. Tu as dit, c'est comme ça. Mais toi-même, tu peux te remettre dedans. Un esclave qui sort l'année de jubilé, l'année d'après, il peut encore partir. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu vous a déjà libéré. Ne vous mettez plus dedans. Ne remangez pas ce que vous avez vomi. Vous n'êtes pas des chiens. Il vous a libéré. Amen. Lève la main. Dis, je suis dans l'année de grâce. Dis ça correctement, je vais entendre ta voix. Je suis dans l'année de grâce. Je suis dans l'année de grâce. Je suis dans l'année de grâce. Amen. Frère, Dieu l'a dit, c'est comme ça. C'est toi-même. Alléluia. Amen. je ne sais pas si une sœur à Porte-Nouveau. Leur petite sœur, c'est sûr, elle est en train de suivre. Leur petite sœur a des problèmes, toujours bagarre avec son mari, toujours bagarre, toujours bagarre. Hey, ils étaient peinés, les grands frères, peinés, peinés. Pour la sœur. Un jour, ils ont pris des voitures. Alignées comme ça. Pour aller dans la maison. Ramasser les effets de la dame. Mais quand ils faisaient ça, ils disent, quand ils ont fait ça, deux jours après, la dame a commencé à pleurer. Deux jours. Azawe. Ah. Elle est retournée là-bas encore. Et ça l'est quand il y a soir de. C'est Dieu qui voit que ce n'est pas bon pour nous. Mais nous-mêmes, on aime ça. Mon frère, je prie pour toi. Ce qui n'est pas bon pour toi, auquel toi-même tu te soumets, que Dieu te libère définitivement de ça. Je dis que Dieu te libère définitivement de ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Des choses toxiques, toxiques, nuisibles. Mais on aime ça. Parfois, si tu insistes trop, tu deviens un ennemi. Nous aimons ça. Donc, quand tu aimes ça, et tu veux rester là, Dieu ne va pas te forcer à quitter là-bas.
Dieu ne nous impose pas sa parole. Il nous dit sa parole. Si nous l'acceptons, ça se passe comme ça avec nous. Ce qui maintient beaucoup de personnes dans la défaite, ce n'est pas hors d'eux, c'est en eux. Nous devons aimer ce soudoir, l'homme a tout l'an et aimé où est-ce que je parle à quelqu'un? Comment? Amen. Donc, l'élément que nous avons commencé à voir. Le quatrième élément. Amen. Amen. Est-ce quelqu'un avec moi? Nous allons continuer avec ça ce matin. Le recouvrement et la récupération. Amen. Nous avons dit. Dans le contexte de la rédemption ou de la nouvelle alliance. Le recouvrement ou la récupération concerne les éléments suivants. Grand 1. Les éléments perdus en Adam par la suite. Tout ce que nous avons perdu en Adam. Jésus est venu nous redonner cela. Amen. Amen. Première chose. J'ai dit que nous recouvrons la vie. J'ai beaucoup parlé sur ça hier. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Nous recouvrons la gloire. J'ai beaucoup parlé sur ça également hier. Mais nous allons lire quelques petits passages. Jean chapitre 16. Verset 22 à 25, vite. Amen. Lève la main. Que les gains de la mort de Jésus, de ce qu'il a souffert, les gains de sa résurrection, soient pleinement manifestés dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, ce qu'il a acquis pour nous par sa mort, mais qui ne se manifeste pas encore dans ta vie. Ce matin, ce qui est en toi et qui entrave les manifestations soit éliminé au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Come on. Je l'ai 22. Oui, 22 à 25, vite. Je lui ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je l'ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'il soit parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Yeah. Père. Autant, je veux que là où je suis. Oui. Ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'il voit ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste. Le monde ne t'a point connu. Mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dit que Jésus, dans cette prière-là, n'est pas en train de prier pour tout le monde, mais pour tous ceux-là qui ont connu qu'il est le seul sauveur envoyé par Dieu et qui ont cru en lui. Ouais. Et c'est pour eux la gloire, bon. Sa gloire. Un Pierre 4, 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ. Vous êtes heureux. C'est heureux. Donnons-nous,
Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Dis amen fort. C'est un fait. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de gloire. Et la Bible dit, si on vous dérange, on vous outrage, on dit le mal sur vous, à cause de Christ, soyez heureux. Pourquoi? L'esprit de Dieu, l'esprit de gloire repose sur vous. Si l'esprit de Dieu est sur quelqu'un, c'est un esprit de gloire. Et il manifeste la gloire de Dieu dans cette vie. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ton esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de gloire repose pleinement sur moi. Est-ce que tu peux prier? Quand l'esprit de Dieu sera sur toi, la gloire va sortir. La gloire va se manifester. Où ta bouche commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Où ta bouche, même quand tu seras persécuté, même quand tu seras outragé, même quand les gens vont dire du mal de toi, la gloire serait là. Naomi, ouvre ta bouche et parle, parle. Que l'esprit de Dieu repose sur moi. L'esprit de gloire repose sur moi. Pleinement, pleinement, pleinement. Que l'esprit de Dieu vienne et repose sur moi. Que l'esprit de gloire vienne et repose sur moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Autre chose, tu vas dire ce que l'esprit de Dieu fait. Quand il vient sur l'homme, que cela se passe pleinement dans ma vie. Lève-toi. Quand il vient sur quelqu'un, ce que ça fait. Frère, écoute-moi. Écoute-moi. Quand tu prends une divinité et que son esprit vient sur ses adeptes, ils ne sont plus les mêmes. Lève-lui 10 janvier, non? Lève-lui 10 janvier. Lève-lui ça un peu à la télé. Moi, j'aime regarder. Pourquoi? Pour savoir comment ça se passe. Quand tu sais, tu pourras travailler avec ça. Ouais. Mais il faut une certaine maturité. Moi, je regarde. Parce que je veux comprendre. Vous ne regardez pas. Bon, moi, je suis dans le fighting. Je suis dans le fighting. Et pour combattre efficacement, il faut comprendre. Moi, j'aime comprendre. Oui. I'm a soldier. Amen. Tu peux dire amen avec moi. Frère, quand leur esprit vient sur eux, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils peuvent faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire naturellement. Mais comment nous là, l'esprit du Dieu Tout-Puissant, Jésus nous, et nous sommes naturels. Tu vas voir quelqu'un, il prend le couteau. Rien. L'esprit du diable. Non. Esprit de Dieu. Non, on est dans le naturel. Je vous ai dit hier, le chrétien ne doit pas avoir une vie ordinaire. Les événements de ta vie doivent sortir de l'ordinaire. Tu dois faire des choses, quelqu'un va te regarder et dire qu'est-ce qui fait ça? L'esprit qui est sur toi. Est-ce que tu me comprends ce matin? C'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes dans la religion, beaucoup de chrétiens. Venez à l'église chanter. Louer. Prier. Et partir. Religion. C'est quoi l'élément surnaturel qui se passe avec toi?
de quoi tu étais impossible, tu étais incapable. Et maintenant que l'Esprit de Dieu est venu en toi et sur toi, tu es capable de faire. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Un vieux fermier qui est moins du Saint-Esprit, mais illettré. Quelqu'un lui a demandé, explique-moi l'onction qui est. Il dit, je ne peux pas expliquer, mais je vis la chose. Mais ce que je sais, il dit, tu regardes, c'est un fermier. Il y a le bœuf qui était là. Il dit, regarde l'oiseau qui est là, qui crie. Quand l'onction tombe sur ce bœuf-là, il va crier comme l'oiseau qui est là. Vous comprenez? Quand l'Esprit de Dieu tombe sur ce bœuf-là, il peut crier comme l'oiseau-là. Oh, naturellement, le bœuf ne peut pas chanter. Nous avons besoin de ça. Dans ce monde méchant, dans ce monde corrompu, que l'Esprit de Dieu soit sous. Et la Bible nous dit là, 1 Pierre 4 verset 14, là même où on vous persécute, où on vous outrage, soyez heureux. Pourquoi? L'Esprit de gloire est sur vous. Lève ta main, tu vas prier. Ce que l'Esprit de Dieu fait quand il vient sur un homme, quand cela commence à se manifester dans ma vie, est-ce que tu peux prier? Prie avec attente, prie avec foi. Et ce matin, quelque chose de surnaturel va commencer avec toi. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Ce que l'Esprit de Dieu fait quand il vient sur l'homme, que cela commence à se passer dans ma vie. Parle, 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 parle. Tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu vas faire des choses que tu ne peux pas faire naturellement. Prie encore, prie encore, prie encore. S'il n'était pas descendu sur toi, ce matin il peut venir sur toi. Il peut venir et se reposer sur toi. Parle. Ne parle pas sur la bouche. Ouvre-toi. Sois dans l'attente. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de gloire. Quand il vient sur nous, il manifeste la gloire de Dieu dans notre vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Autre chose, assois-toi. Troisième point dans le grand 1. Nous recouvrons ce qui est perdu en Adam. Autre chose, nous recouvrons la domination perdue. Nous recouvrons la domination et le règne. Amen. Amen. Psaume 8, verset 5 à 7. Vite, 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 vite. Psaume 8. 5 à 7. Yes. Amen. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs. Non, ça va. Amen. 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 Tu as tout mis sous ses pieds. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main. Aïe, le ton glore. Dis-moi le psaume 115, 15 à 16. Psaume 115. L'homme que Dieu a créé au départ dominait surtout au départ en Adam. Adam.
Dieu l'a créé d'un peu, d'un tout petit peu inférieur à lui-même. Ça veut dire quand on voit Dieu, on voit. Alléluia. Amen. Ce que Dieu est au ciel, c'est ce qu'il veut que nous soyons sur la terre. Mais nous avons offert ça à Satan. Amen. Amen. Cette domination sur le monde, nous avons donné ça à Satan et à ses agents. Et Satan a donné ça à ses agents. Vite. Soyez bénis par l'Éternel. Dis Amen. Soyez bénis par l'Éternel. Donnez-nous son clon d'aider ou émule. Qui a fait les cieux et la terre? Et dans l'ombre, il va pour. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Au long les ouais, au long au clon au ton les. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Shiba aïba ouaiina au vig betol et ton les. Lève la main comme ça. Dis alors d'aga. J'ai dit lève la main. Ça va te dire être plus concentré. Qui a fait les cieux et la terre? Dieu, n'est-ce pas? D'accord. Mais il a pris les cieux. Et il a donné quoi? La terre à l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Pour que comme lui il règne dans les cieux, l'homme règne sur la terre. Comme il domine dans les cieux, l'homme domine sur la terre. Vous pouvez voir ça également quand Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Mais Genèse 28 à 28. Mais comment est-ce que le diable est devenu le prince du monde? C'est parce que l'homme a préféré l'indépendance. Il s'est soumis à Satan. Frère, je vais te dire aujourd'hui encore. En Christ, pour un chrétien, Christ, je dis pour un chrétien, non. Tous ceux qui ne connaissent pas Christ sont sous le pouvoir du diable. Mais les rachetés, la Bible nous dit que Dieu nous a délivrés de son pouvoir. Il nous a délivrés de sa puissance, de sa domination. C'est déjà fait. Et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Nous, c'est déjà fait. Frère, aujourd'hui, tout pouvoir que Satan peut exercer sur toi, c'est toi-même qui peux lui concéder ça. Satan ici, gazando tué l'ego. Yesu ici, gani a chaine. Ni à ma bio gloeton. Si tu ne te soumets pas à lui, en tant que chrétien, quel est ici non? Et ma droite est au tué bas. Il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Mais nous-mêmes, nous lui concédons des parcelles de notre vie. Minon est aimé, ton fidèle est au besoin, mi tomé. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. En réalité, ton son pouvoir sur toi est brisé. Jésus nous a libérés de ça. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Ne vous rendez plus esclaves. Ne vous mettez plus sous un joug étranger. Nous sommes déjà libérés. Ce n'est pas que nous serons libérés. Frère, le diable ne peut pas nous contraindre. La même méthode qu'il a utilisé avec Adam et Ève, c'est la même méthode qu'il utilise avec les délivrés aujourd'hui. Quelle est la méthode? Le mensonge, la tromperie, la séduction. Le mensonge, la tromperie, la séduction.
Ça n'a pas changé. Et ma Dieu, mais si tu as visé, mon ton, si tu es éclairé, rigo, quand le maçon vient, tu sauras que ça c'est le maçon. La loa, na nyodo, quand la tromperie vient, tu sauras que ça c'est la tromperie. Loa, na quand la séduction arrive, tu sauras que ça c'est la séduction. Loa, na nyodo, wo, tu peux reconnaître les marchés de dupes de Satan. Ananyo, ahize, kule, mais Satan que Dieu nous éclaire. Je dis que Dieu nous éclaire. Et le Saint-Esprit est en nous pour ça. Satan n'a pas un pouvoir sur toi que toi-même tu ne lui concèdes pas. Les démons n'ont pas un pouvoir sur toi que toi-même tu ne leur concèdes pas. Pourquoi? Parce que nous sommes libérés du pouvoir qui règne sur ce monde. Mais nous pouvons nous-mêmes nous replacer sous ça. Point. Normalement, frère, c'est nous. Parce que j'ai dit que Christ nous a redonné le pouvoir perdu. Quand il dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Frère, s'il nous donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, comment cette puissance sur laquelle nous allons marcher va encore dominer sur nous? Église, Agon. Est-ce que vous me suivez? Bémi, todomi. Ça, tu acceptes que c'est ça? Tu comprends? Vous acceptez que c'est ça? Frère, tu comprends? Vous croyez que c'est ça? Est-ce que vous croyez que c'est ça? Damien, est-ce que vous croyez que c'est ça? Hein, très très bien encore. Non, listen to me, listen to me. Alléluia. Amen. Je prie pour une révolution. Amen. Et ici, parce que moi je comprends. Ce qui ne doit pas avoir le dessus sur toi. Et qui contrôle ta vie, te relâche ce matin au nom de Jésus. Jésus est venu nous redonner la domination. Sur la terre, c'est nous. Les circonstances de cette vie ne doivent pas avoir le dessus sur nous. Ça peut venir. Mais nous allons dominer ça. Ça peut venir, mais on va s'en sortir triomphalement. C'est nous. La domination est restaurée. Le pouvoir est restauré. Frère, je veux te dire, si tu es en Jésus-Christ, toutes les choses de l'ennemi dans ta vie avant doivent être complètement détruites. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il peut essayer contre toi ne marchera pas. Lève la main, dis amen très fort. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Frère, dans ce monde, nous sommes les autorités. Une autorité, c'est qui? C'est un détenteur de pouvoir. Frère, écoutez. Si tu écoutes sur les ondes là, le sorcier, le patron des sorciers, écoutez-moi, Jésus l'a dit, c'est comme ça. Écoutez-moi, tout ce que Dieu a dit est comme ça. Il dit, et la chose se passe comme ça. Ou bien, c'est ce que la Bible dit, non? Je crois, Somme 33, verset 9 par là. Il dit, et la chose se passe comme ça. C'est ça. Frère, le maître des gourous, le patron des gourous, Satan lui-même, Satan avec tout sa cohorte, ils savent qu'il ne peut pas me nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Le sorcier ne peut pas te nuire. Les marabouts ne peuvent pas te nuire. Le wali ne peut pas te nuire.
Le charlatan ne peut pas te nuire. La puissance du diable ne peut pas te nuire. Pourquoi? Tu as le pouvoir de marcher sur ces puissances. Tu crains ce qui doit te craindre. Frère, je parle sur les hommes. Parce que je sais qui je suis. Je prêchais à la radio. Un homme m'a appelé. Il dit, pasteur, nous allons prier pour toi. Ce que tu dis là. Oh, les gens n'osent pas dire ces choses sur les hommes. J'ai dit, écoute-moi. Merci, priez pour moi. Mais je sais que là où je suis là, je ne suis pas seul. Quelqu'un est avec moi ici. Oh, quelqu'un est avec moi. C'est de lui que je parle. Je ne parle pas de Paul. Il est avec moi, il est à moi, et il m'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Frère, réveille-toi. Sors de la religion, entre dans la domination. C'est ça notre appel. Hé le sorcier. Quel sorcier? Hé Azeto, non encore. Sorcier. Azeto. Frère. Novi. Tu vois le chien. À moi, vous. Quand le chien fait. Oh. Et tu es debout comme ça. Il s'arrête. Et non, noté. Quand tu fuis. Il fuit derrière toi. Et frère, nous disons, on a oué. Novi, c'est ce que tu fuis qui va te poursuivre. C'est ce que tu fuis qui va te poursuivre. C'est ce que tu fuis qui va te pourchasser. Moi, né. Lève-toi sur tes pieds. Fonchite. Ce qui ne doit pas dominer sur un chrétien. Oui, madame, du gâteau, il s'est rendu. Ce qui domine sur moi. Bokato, le pouvoir de cette vie. Tout claque, ben, mettons les pouvoirs. Les puissants de ce monde est né. Les esprits méchants. Les situations de la vie. Aujourd'hui, je me libère totalement de leur emprise. Ah, je me libère de leur emprise. Désormais, c'est moi qui domine sur ça. Frappe les mains, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle bien. La domination est restaurée. Oui, la domination est restaurée. Le pouvoir est restauré. Nous sommes des enfants de Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu très haut. Jésus habite en nous. Et Dieu en lui habite en nous. Tout ce qui ne doit pas dominer sur un enfant de Dieu. Tout ce qui ne doit pas avoir le dessus sur un enfant de Dieu. Et qui dominait illicitement sur ma vie. Aujourd'hui, je me libère. Mon frère, parle bien, parle avec foi. Dieu l'a dit, c'est comme ça. Dieu l'a dit, c'est comme ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Reste debout comme ça. Vite. Non, Romains chapitre 5, verset 17 à 21. Reste debout comme ça. On va prier. Le monde est à ton. Quelqu'un d'autre prend Deutéronome 15-16. Vite, 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 vite. Romains 5-12. 5-17 à 21. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Et du don de la justice. Régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Ainsi donc. Frère,
La mort a régné en Adam. Mais nous avons reçu la vie en Christ. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Le règne de la mort est brisé dans ta vie. Amen. Le règne de la mort est brisé. Le règne de la mort est brisé. Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort est brisé. Mon frère, est-ce que tu peux dire amen de croire ça? La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Les gens ne peuvent pas te frapper par la mort. Non, non, non. Personne ne peut plus te frapper par la mort. L'aiguillon de la mort est brisé. La vie règne désormais en toi. Est-ce que tu peux dire avec force? Réveille-toi, mon frère. Que les liens de la religion soient détruits de ta vie. Si le sorcier te tue, tu es un païen. Si le charlatan te tue, tu es un païen. Il peut essayer. Mais il aura le retour. Frère, si ça marche, tu es un païen. Comment ça peut marcher? Frère, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est quel verset on a lu tout à l'heure? Romains. Non, 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 non. C'est quel verset nous a dit que l'Esprit... 1 Pierre chapitre 4 verset 14. Esaïe 62, Esaïe 63. L'Esprit de Dieu repose sur toi, Dodo. Crois ça. La Bible dit ça, c'est comme ça. Crois ça. Dis ça. C'est comme ça. L'Esprit de Dieu repose sur toi. Quand l'ennemi vient contre nous, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Quel esprit? L'Esprit qui est sur toi. Est-ce que tu peux dire amen fort? Ce n'est pas possible. Est-ce que l'Esprit de Dieu est sur toi? Hein? L'Esprit de Dieu est sur toi? Quand l'ennemi va venir, tu peux être en train de dormir. L'Esprit de Dieu qui est sur toi ne dort pas. Il va les mettre en déroute. Believe. Crois ça. Ça ne se passera pas. Mais si tu crois, ça va se passer avec toi comme ta foi. Parce qu'il y en a. Donc, je pense que ces choses, c'est pour les super spirituels. Et nous dans nous, les médecins, les pasteurs, mais qui ne comprennent pas ces choses, on les graille, on les braise. Les pasteurs, Vite fait. Alléluia. Oui. Moi j'ai un petit frère qui est très avancé dans les choses de la sorcellerie. Et je lui prêchais Jésus. Il dit Paul. Il dit que lui là. Quand il est debout comme ça, quand les sorciers vont à la réunion, ils voient que nous pensons seulement que c'est la nuit que les sorciers vont en réunion. Il dit 13 heures. Même dans notre maison familiale là, ils se réunissent là. Et que lui les voit. Et je lui dis, reçois Jésus de l'Esprit. Pourquoi? Tu vois que les chrétiens sont dans la religion. Parce que si lui, avec le pouvoir du diable, il peut voir dans le spirituel. Et nous, chrétiens, nous sommes là. Mais font-ils tes beaux? Réveillez-vous, non? Il voit. Il dit, pour toi là. Et dans yeton. Pour toi c'est venu du ciel, c'est ta destinée. Et dans loin yeton. Il dit pour toi c'est venu du ciel. Donc il se l'en était. Quel chrétien? Il dit. Lui voit les chrétiens qu'on les braise. Il dit quel chrétien? Il a mis nos mots. Il se l'enlève et non mais il est où?
C'est les chrétiens qui font la honte du nom de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas s'ouvrir à la vérité. Ils ne veulent pas s'ouvrir aux choses de Dieu. Ils ne veulent pas se donner aux choses de Dieu. Frère, ce à quoi tu te soumets, ça va dominer sur toi. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Et le diable fera quoi? Il s'enfuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Et le diable n'aura plus de pouvoir sur vous. Frère, tu ne peux pas rester au milieu comme ça. Soit tu es soumis à Satan, soit tu es soumis à Dieu. Point. Tu ne peux pas rester en l'air comme ça. Vous dites que vous êtes chrétien. Mais vous ne voulez pas donner votre vie, abandonner votre vie à Jésus. C'est un danger. Et où est? C'est un danger. Parce que tu es un chrétien nominal. Mais ce qui fait le chrétien n'est pas en toi. La Bible dit ils ont l'apparence de la piété. Mais ils rejettent ce qui fait la force du chrétien. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as la CIR. Non. Je vous ai dit ça hier. Non, non. 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 C'est la grâce commune qui traite dans la vie de beaucoup de personnes. Ouais. Beaucoup parmi vous là. Mais vous êtes dans la pagaille. C'est la grâce commune. À cause du nom de Dieu. Qui est sur nous. À cause de nos prières pour l'église. C'est ça qui vous préserve. Pour beaucoup. Mais je prie que ce programme te range. Que tu prennes le parti de Christ. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Normal, l'ennemi qui s'en prend à toi. Nous que toi, toi vous. Il doit sentir qu'il y a un esprit sur ta vie. Et donne mon big body ton besoin. Dis amen, je vais attendre. Il doit sentir qu'il y a un esprit sur toi. Et donne mon big body ton jiwe. Alléluia. Amen. Lève la main. Dis alors. À partir d'aujourd'hui. Besoin igbe. Tout ce que Christ a vaincu à la croix. Sois vaincu dans ta vie au nom de Jésus. Dis amen bien fort, dis amen fort. Nous devons sortir des théories. Tout ce que Christ a vaincu à la croix. Sois vaincu dans ta vie au nom de Jésus. La mort est un ennemi que Jésus a vaincu. Lève la main à partir d'aujourd'hui. Toi-même là. Que ta victoire sur la mort soit totale. Le règne de la mort soit brisé de ta vie. Tout ce qui entraîne la mort soit brisé de ta vie. Tout ce qui peut causer la mort soit brisé de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. La maladie, c'est un ennemi que Jésus a vaincu. Listen. Ce matin. Ce matin. Amen, écoute-moi. Amen. J'ai fait à peine 5 minutes sur ma table de méditation. Au réveil, la voix de Dieu m'a dit, la maladie est un effet de l'expiation. Non, listen. La santé plutôt, la santé est un effet de l'expiation. J'ai jubilé. Frère, la maladie est causée par quoi? La chute. N'est-ce pas? L'expiation enlève quoi? Les conséquences. Amen. De nos péchés, de nos fautes, de nos tout. Oh, frère. Un autre thème est monté encore à moi-même. Oh, l'expiation c'est grand. Écoute-moi. Dans le nom de Jésus. Tout ce que Jésus a vaincu. Soit vaincu dans ta vie.
La maladie soit vaincue dans ta vie. La pauvreté soit vaincue dans ta vie. Je dis la pauvreté soit vaincue dans ta vie. Les démons soient vaincus dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, les personnes ennemies, les personnes qui se dressent contre nous, soient vaincus dans ta vie au nom de Jésus. Lève la main, commence à applaudir très fort le Seigneur. Que l'expiation soit appliquée dans ta vie. Les effets de l'expiation soient manifestes dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes les adorateurs. Et ce que tu as dit doit se passer dans notre vie. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Si tu le crois, applaudis avec joie. Tu régneras dans la vie. Tu régneras dans la vie. Tu domineras dans la vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu régneras dans la vie. Amen. Amen.